Le petit bavard. Bonjour les enfants et bienvenue sur Le Petit Bavard. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire passionnante. Êtes-vous prêts à écouter l'histoire du jour ? Oui et oui et oui et oui. Alors installez-vous bien et c'est parti ! Loulou et la chouette aux yeux bleus. Dans un petit village entouré de champs et de forêts, Loulou adorait les bonbons. Elle avait toujours un sac de bonbons colorés avec elle, car elle les aimait beaucoup. Heureuse, Loulou emporta son sac de bonbons près de la forêt pour jouer. En arrivant, elle entendit un « ouhou » tout venant d'un arbre. C'était Lila, la chouette aux grands yeux bleus, perchée sur une branche. Loulou, excitée, montra son sac de bonbons à Lila. La chouette sourit et dit « C'est gentil, Loulou, mais je ne mange pas de bonbons. Je préfère les fruits et les noix qui sont bons pour ma santé. » Loulou était surprise. « Pourquoi ne manges-tu pas de bonbons ? Ils sont si bons !» demanda-t-elle. Lila expliqua alors. « Les bonbons, c'est bon de temps en temps. Mais manger trop de sucreries, ce n'est pas très bon pour toi. Manger des fruits comme moi, ça aide à rester en forme et à bien grandir. » Loulou réfléchit un moment. « Alors, que dois-je faire avec tous ces bonbons ? » demanda-t-elle. Tu pourras les garder pour les partager avec tes amis lors d'un jour spécial, suggéra Lila. Comme ça, chaque bonbon devient un petit cadeau de bonheur. Loulou aimait cette idée. Elle décida de garder les bonbons pour les partager lors des anniversaires ou des fêtes avec ses amis, apprenant ainsi le plaisir de partager et l'importance de manger sainement. Grâce à Lila, Loulou apprit que les bonbons étaient comme des trésors à savourer peu à peu, et pas tout d'un coup. Chaque fois qu'elle partageait un bonbon, elle pensait à Lila et souriait.